sauf ce film. C'est bon, moi, après. Bon, maintenant qu'on a fait les jeux sérieux, je vais en faire une sérieuse pour de vrai. Je vais faire vite, parce que, bon, c'est tard. Et puis, l'idée m'a choqué. Donc, ça fait 2 ans que je travaille sur un truc pour mon boulot, sachant que je fais un système, et je me suis dit que ça serait bien de vous en parler, parce que peut-être que ce que vous allez me dire, parce que j'ai fait, c'est déjà, ça existe déjà. Dans ce cas-là, je vais partir en deux au fond de la salle, je vais me planquer, je vais me remettre les mots dans les gars. Ça, vous allez me dire, ce que t'as fait, c'est méga génial, faut absolument que tu continues et que vite on l'ait, parce que c'est génial. Donc en fait, mon dernier problème, c'est déjà les quantisateurs. Alors, qui est un mini-système ici? Ah, quand même. Donc avant, on avait ça. Vous avez tous connu? Puis après, on a une super évolution de ça. Merci, ouais, c'est mieux, mais il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, on avait encore. Eh, il y a des gens qui disent qu'ils en ont besoin encore. Et puis un jour, quand même, ça s'est vachement amélioré parce qu'on a eu le DAP, et le DAP, c'est un truc, c'est super normalisé, sauf qu'en fait, il y a 50 schémas et des trucs qui sont pas compatibles entre eux, qui sont tous normalisés. C'est l'avantage. C'est on fait du normalisé, mais pas compatible. Heureusement, mon concept est arrivé. Et puis, quitte à s'intéresser à des trucs fun, retourner à fond, il y a aussi Carbero, c'est un propos Vasalbi qui est encore pas pareil que les autres. Alors on va me dire, mais Carbero, tu peux l'appuyer sur autre chose, oui c'est vrai, mais de temps en temps, le biais c'est pareil parce qu'on a pas envie de tout mettre dans la famille, surtout dans sa tête. Et après, on a toujours tous, quand on a mis le système, la tête soft qui vous dit « Ouais, mais en fait, les trucs qui existent, c'est pourri parce que moi, je ne peux pas être méchant. Alors, j'ai réinventé encore un système de gestion de compte utilisateur qui n'est pas pareil, mais c'est vachement mieux. Puis en plus, ça me permet de stocker les mots de passe de manière pas chiffrée comme ça. Bah, c'est vachement plus simple. Ça utilise les messages que ça. Bref, nous, au départ, ce qu'on avait, c'était du Nice. On avait de l'Active Directory, et du Nice, quand même, on est passé par LDAP à un moment quand même, parce que bon, on n'avait pas ce qu'à faire. Évidemment, on voulait centraliser la gestion des comptes, automatiser la création des logins par rapport au nom des gens et puis les UID, et puis on voulait que tout ça, évidemment, ce soit synchrone, c'est-à-dire que la personne, quand elle a un compte, elle a un compte partout, pas qu'à moitié. Alors j'ai travaillé sur un truc que j'ai appelé Link Account, et je suis en train de travailler pour le mettre en libre et accessible. Et en fait, ça fonctionne tout bêtement. Il y a un fichier de configuration. Dessous, pour chaque base qui peut exister de compte, il y a des modules qui sont tous avec les mêmes méthodes. Derrière, il y a les outils pour éditer les informations qui sont dans les différentes bases. Et avec le tout, il y a des noms synchronisés. Donc on écrit dans une des bases. Et puis après, ça va propager dans les autres. Ça, je vais essayer. Du coup, ce que je me demande, c'est si je n'ai pas un peu inventé un module DBI, mais en fait, pour les comptes utilisateurs. Un peu. Rien. Ah, ça y est. C'est le moment qu'on part au fond de la salle. Réinventé. Donc voilà ce que ça donne dans la pratique. C'est, j'ai mon fichier de configuration, je peux vous montrer, parce qu'évidemment il y a les mots de passe dedans et tout ça, mais c'est juste un petit, c'est un point et demi. Puis bah, du coup, quand j'interroge pour mon compte, Tovin, mon prénom, pouf, bah, je l'obtiens dans la base par défaut. Mais si je le veux pour la base LDAP, il me renvoie, pour la base Active Directory, il me renvoie de la même manière. Et Carbero, en fait, comme il n'y a pas l'emplacement pour mettre le prénom, du coup, j'ai pas vraiment. Là, c'est un exemple. Faire un chaussier avec password. Je pense qu'il y a plus. Non, parce qu'il est prêt. Non, je l'ai, dans les dernières versions, je l'ai interdit à la sortie du mot de passe. Parce que ça ne sert à rien, de toute façon, il est chiffré. Mais par contre, il y a une gestion intéressante du mot de passe où il faut l'injecter simultanément partout, du coup, pour, si on ne veut pas le garder en carte, il faut l'injecter plus tard. Ça, le mot de passe, c'est bon. Là, c'était pour l'exemple prénom.
Mais par exemple, quand tu as un utilisateur qui vient d'arriver, tu dois te souvenir d'où il est dans son bureau parce qu'il vient t'envoyer un texte, qu'il a un problème, c'est bien ça, tu vois. Hein? Mais je fais des exemples à ton niveau aussi. Donc évidemment, tout ça, je suis en train de nettoyer et plus ça va, plus je pense déposer un jour sur CETAN. Le projet, il est là et moi, je suis là. Enfin, là. Mais, voilà. Vous avez des questions? Il y a un référentiel des attributs du MAPI. Non, c'est une des choses sur lesquelles il faut que je travaille, c'est en plus pouvoir le rendre configurable. Parce que dans aujourd'hui, le LDAP, la module, c'est plus du LDAP, je l'ai fait pour nous. Et il faudrait que je le rende un peu plus configurable. Et, des plugins pour faire des web services derrière Derrière, il y a une application. Alors là, moi, je me suis dit, allez, je vais faire un talk de 5 minutes. Mais en fait, derrière, il y a aussi une application web avec des délégations de droits, avec des ACL pour pouvoir, pour permettre aux gens d'aller modifier les groupes qu'on veut déléguer pour changer tout ça. Une question, là, sur une base en fait, qui contient ce que tu rends et que tu envoies sur les autres LDAP qui t'aident, c'est stocké dans un site. Alors en fait, la base maîtresse qu'on a nous, c'est une base SQL qui est complètement propriétaire pour pouvoir mettre tous les attributs qu'on a qui ne rentrent pas dans le cadre de la LDAP, en sachant que au CNRS, il y a toujours tout un tas de choses que tu veux stocker. Enfin, je pense que dans une entreprise, c'est pareil. Il y a toujours tout un tas de choses qu'on veut stocker en plus, dont on n'a rien à faire sur une base d'authentification et qu'on veut garder nous dans le même temps. Donc en fait, la base centrale, c'est une base SQL propriétaire. Mais on pourrait très bien imaginer qu'on a le LDAP super plein et qu'il va propager vers un autre LDAP moins rempli. Mais tes 10 attributs spécifiques, ils ne tiennent pas dans 5 des 3 schémas incompatibles de LDAP? Vu ce qu'il a demandé d'être notre direction, non. Non, ils se sont réglés, non. Tu supportes l'interrogation sur DNS? T'es ton module? Oui. La vie, en fait, si tu crées le nouveau module pour supporter un autre type de base, ouf, ça va marcher. C'est comme ça que j'ai un petit support de KVM, c'est pas trop. Pourquoi tu n'as pas simplement fait un truc qui va chercher les informations sur Facebook? T'en aurais beaucoup. Parce que les utilisateurs n'utilisent pas Facebook, figure-toi. Ça existe. Oh. Mais si tu veux, tu peux faire le support. D'autres questions?